et celui de 2011 qui a été diffusé au Festival de Cannes pour la première fois. Tout d'abord, bon, ça va être une première pour moi, donc je vais essayer d'être un peu bref. Voilà, donc je suis Mère Estéphane, donc de chez Méréfilm. Méréfilm, qui est une petite société indépendante de cinéma qui a été créée en 2009 au Faubourg des Trois Maisons, donc qui se trouve à Nancy. C'est une société qui écrit, qui réalise et produit des films originaux, quels qu'ils soient courts ou longs. Généralement, pour l'instant, c'est le court, et ensuite, on verra par la suite. Donc voilà. Méréfilm aussi a pour but effectivement de chercher des nouveaux partenaires, lorrains surtout, et ensuite passer outre la frontière. De faire aussi connaître des acteurs qui sont au départ amateurs, mais qui pourraient effectivement devenir très importants pour le cinéma. Donc voilà. Donc sans tarder, nous allons voir donc le premier film de la soirée qui s'appelle L'Après, donc qui est le dernier film qui a été fait, et qui est un film plutôt, je dirais, dramatique. C'est un thriller dramatique avec une pointe, on va dire, pas d'horreur, mais ni fantastique, mais assez lugubre. Vous allez comprendre.